Mes chers amis, bonsoir. Que vous soyez gilet jaune ou pas, j'espère que vous n'allez pas tarder à devenir gilet jaune si vous ne l'êtes toujours pas. Ce soir, comme je l'ai annoncé dans le titre, c'est juste pour un petit bonjour, un petit coucou. J'ai passé les dernières 24 heures d'une manière extrêmement dure. Donc je vais juste vous passer le bonjour. Comme convenu pour vous donner un signe de vie. Voilà, je suis vivant, je suis libre. Et voilà, je ne m'étalerai pas dans un live. Je vais essayer d'en profiter pour me reposer. Le sort s'acharne, mais bon, ce n'est pas le sort, vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Avec tout ce que je vous explique, je me retrouve en plus de tout ce qui m'arrive à devoir chercher en urgence un hébergement. La personne qui m'héberge me met à la porte. Je veux dire, je n'ai jamais vu autant d'obstacles à la création d'un parti. J'ai l'impression que plus j'avance et plus cet objectif s'éloigne. Mais bon, preuve en est que je ne suis pas un surhomme. Effectivement, je suis accablé de partout. Si vraiment je ne trouve pas un logement décent, un hébergement décent et spacieux, assez spacieux pour mettre toutes mes affaires, les affaires de mes enfants, et créer un univers d'enregistrement comme ici, je ne pourrai plus donner les lives que vous connaissez, les décryptages auxquels je vous ai habitué, et je considère alors, sans vouloir m'accaparer la révolution des gilets jaunes, ni être trop prétentieux, je considère que la révolution, en tout cas du côté du décryptage et des analyses, va prendre un sacré coup. Voilà, bon. Je pense que la seule issue, c'est la création du parti pour que vous commenciez un peu à faire vos dons envers le parti ou vos cotisations en tant que membre, parce que vous m'avez déjà proposé vos aides financières ou des cagnottes, chose à laquelle je me refuse jusqu'à présent. C'est au travers d'un parti, soit je considère que c'est rien. Et bon, malgré que je suis en train de respirer par la paille, j'espère tenir sur cette ligne jusqu'au bout. Voilà, mes chers amis. Je ne vais pas m'étaler plus. L'étau d'étranglement s'aggrave, mais votre serviteur est toujours debout. Et votre soutien, je le ressens, il est toujours présent. Prenez la relève, prenez la relève en quelque sorte, en accentuant les samedis jaunes. Si vous avez toujours hésité à descendre les samedis avec un gilet jaune, eh bien faites-le. C'est la seule réponse massive que nous pouvons donner aux attaques invisibles, mais très visibles en même temps, du système maçonnique, pervers, républicain, contre vous, contre nous, les dissidents, contre nous, le peuple, contre nous, les Français, et contre nous, les peuples du monde et l'humanité.
Mes chers amis, je vais lire un commentaire au pif pour vous prouver que je suis en direct et je vais vous saluer. N'hésitez pas, si vous avez des locaux spacieux, à m'en faire la proposition. Voilà, je ne sais pas quoi vous demander d'autre à présent. Je ne vais pas vous demander de créer un parti à ma place. Malgré que je suis étranglé de partout, bah, il faut que je trouve le moyen de le faire. Allez, je lis. Tiens. Au moment où j'en parle. Stéphanie. Donc Stéphanie, tu dis, Mehdi, je suis prête à t'héberger même si je n'ai qu'un 45 mètres carrés. C'est magnifique, Stéphanie. Et que la seule pièce est pour ma fille. Attention, parce que si les services sociaux nous écoutent, ils vont trouver le moyen de t'emmerder. Et donc, tu dis, et que la seule pièce est pour ma fille, et que j'ai un chat. Ah ben, ça fait un sacré monde. J'ai un chien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est sûr que ça va pas être possible. Dans ton appartement, mais voilà, ça me fait chaud au cœur. On est en train tous de nous débattre comme on peut pour s'entraider malgré que nous n'avons rien, parce que le système est ainsi conçu, il nous laisse vivre avec un rien, il ne nous permet pas d'avoir de l'avance. Ben oui, parce que si on a de l'avance, ça nous permet de constituer une espèce de caisse ou un trésor de guerre, et un trésor de guerre, c'est ce qui permet de mener les révolutions et de faire tomber les tyrannies. Donc Stéphanie, tu rajoutes, on se débrouillera. Allez, un autre commentaire que Stéphanie. Kevin, toi tu es très passionné par le MKUltra, allez je te lis. Mehdi, les gilets vont être étouffés par les ultra-noirs, je pense à la longue. Ben, il faut qu'on fasse en sorte que non, hein. On est là pour ça. José, tu dis salut, bonjour mon ami. Allez, un dernier commentaire. Patrice Richard, tu dis courage Mehdi, je suis passé par là, je m'en suis sorti, je me suis même marié après. Voilà un élément positif. Mais mon cher Patrice, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas que je m'en sorte. Ça, j'aurais pu très bien m'en sortir si j'avais abandonné la dissidence, les gilets jaunes, et si j'avais cédé à tout ce qu'on me demande d'arrêter les décryptages. Mon cher Patrice, là n'est pas la question. Je ne suis pas dans une recherche de survie, parce que sinon, j'irais chercher du travail. Je pense que je pourrais trouver... même avec un salaire de merde, un travail, je veux dire, ça va, je peux même faire n'importe quoi. Non, non, là, le sujet, il est de survivre dans de bonnes conditions pour pouvoir vous livrer mon travail bénévole. Bénévole, mon travail bénévole. La nuance, elle est là. La nuance, c'est de mener et de vous aider et de nous aider, de nous entraider... amener notre révolution jusqu'au bout. Voilà, la nuance, elle est là, mon cher Patrice. Il ne s'agit pas juste de me trouver un couchage. Merci beaucoup pour ton message, malgré tout, plein d'espérance. Les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Et merci de votre solidarité, en tout cas de veiller sur moi. Voilà, je vous donne un signe de vie, je vous le donnerai tous les jours, quoi qu'il en soit, même lorsque je serai dehors, je le donnerai depuis un téléphone, même lorsque je ne pourrai plus du tout faire aucun décryptage. Eh bien, permettez-moi de vous faire un petit coucou tous les soirs. Voilà, ça me rassure, et je l'espère que... quelques-uns d'entre vous, ça vous rassure. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne nuit. Donc, à demain pour un live demain. J'espère être en meilleure forme. Bonne nuit, les amis.